Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 14 mai, cinquième dimanche après Pâques. Trois séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Paul de Lacvivier, de passage à Paris, alors qu'il habite à Tokyo, qui viendra nous parler de la 10e marche pour la vie, qui aura lieu le 16 juillet prochain à Tokyo. Ensuite, rencontre avec sœur Ambroise-Dominique Salleron, qui vient de publier aux éditions Via Romana une biographie de son grand-père, Louis Salleron, artisan du bien commun. Et enfin, nous recevrons Marie-Lise Pélissier, porte-parole de l'association Va, Vie, Prie. Bonjour Paul de Lacvivier. Bonjour monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous nous venez de l'Empire du Soleil Levant, puisque vous êtes doctorant en histoire du droit à Tokyo et puis également membre d'une association qui participe à l'organisation de la Marche pour la Vie qui aura lieu le 16 juillet prochain à Tokyo. Alors, la Marche pour la Vie, quel est le contexte démographique dans lequel se positionne cet événement au Japon ? D'abord, merci de votre invitation. Oui, donc la Marche pour la vie au Japon, donc ça va être la 10e édition cette année. Le contexte démographique donc, est aujourd'hui très catastrophique au Japon. C'est un des rares pays qui perd de la population chaque année. Donc, pour vous donner un élément, l'année 2022 a été un record bas des naissances, avec 800 000 naissances, pour à peu près 1 600 000 morts. Donc le Japon a perdu à peu près 700 000 personnes, avec une immigration qui reste limitée. Donc, y a un problème profond de natalité au Japon. Et alors justement, autour de ces questions de défense de la vie, quelles sont la situation légale de la contraception, de l'avortement, de l'euthanasie, de la GPA, de la PMA, enfin toutes ces questions qui tournent autour de la vie. C'est ça. Alors d'un point de vue légal, la situation est tant soit largement meilleure qu'en France, puisque l'avortement, par exemple, est simplement dépénalisé. Il n'y a pas d'autorisation d'avortement, donc ça reste un crime dans le code pénal. Cependant, cette dépénalisation a été faite dès 1946, et il se trouve que le Japon a été, pendant une longue période, le paradis de l'avortement. Donc il se trouvait qu'il y avait un tourisme de l'avortement au Japon, où beaucoup de personnes du monde anglo-saxon et d'autres, aller au Japon pour pouvoir avorter pendant la période où c'était encore interdit chez nous. Et pendant les périodes où il y a eu beaucoup d'avortements dans les années 70, on était à des chiffres de 700 000, 800 000 avortements par an. Et aujourd'hui, nous sommes à des chiffres de 150 000 avortements par an environ, donc la moitié d'un point de vue absolu de ce qui se passe en France. – Et pour une population de combien d'habitants au Japon ?– Du double, oui. Donc 4 fois moins en proportion d'avortements, et pour une natalité qui est beaucoup plus basse. Et pour ce qui est de la contraception, ça a été toujours beaucoup plus conservateur jusqu'à maintenant, et il se trouve que juste à l'heure où nous parlons, la pilule abortive est en passe d'être autorisée par le ministère de la Santé à l'heure actuelle au Japon. – Alors, la religion dominante au Japon est le shintoïsme, il y a également des bouddhistes. Quelles sont les positions de ces religions sur ces questions-là – Alors, comme vous avez dit, donc les deux religions dominantes au Japon sont le shintoïsme et le bouddhiste. La plupart des Japonais sont les deux, disons qu'il y a la culture familiale pour le bouddhisme et pour les rites de passage au shintoïsme. Mais sur la marche pour la vie, ces deux religions ne se prononcent pas, elles ne se battent pas pour la vie et n'ont pas de doctrine par rapport à ça et sont très laxistes. Les bouddhistes, en théorie, protègent toute vie, mais comme ils protègent autant le brin d'herbe que le bébé, finalement, ils ne protègent rien du tout. Alors, dans ce cadre-là, quelle est la position de l'Église catholique, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'elle représente au Japon ? Alors, pour la première question, donc, historiquement, l'Église catholique s'était battue pour la vie. En 2019, avant la période covidienne, la dernière marche pour la vie qui a été conséquente, on avait réussi à avoir le soutien du nonce apostolique de l'archevêque de Tokyo, du cardinal d'Osaka, plus de notre évêque. Mais globalement, disons que l'Église,
la conférence épiscopale au Japon est très frileuse, plus que frileuse, et ne soutient que du bout des lèvres et ne marche pas avec nous. Et le, disons, soutient que par quand le nonce apostolique dit quelque chose, donc pour avoir par rapport au pape pour faire quelque chose. Donc l'Église catholique, enfin la conférence épiscopale pour être exact au Japon est extrêmement progressiste aujourd'hui. Et d'un point de vue, disons, sur le pays, donc évidemment, le christianisme en général est minoritaire. L'Église catholique a une influence plus importante que sa, que son, sa réalité numérique du fait des écoles, des universités et de sa formation qui, historiquement, a toujours été reconnue et en particulier une influence importante dans les élites. Simplement aujourd'hui, ça ne suffit pas. Alors, qui participe à cette marche pour la vie? Est-ce qu'il n'y a que des catholiques, mais ça ne va pas faire grand monde a priori, ou est-ce que cette marche rassemble des gens d'autres confessions religieuses? Alors, très bonne question. Alors, premièrement, numériquement, nous sommes très peu nombreux, nous sommes quelques centaines, puisque de toute façon, au Japon, la culture de la manifestation n'est pas dans les mœurs, donc les manifestations de plusieurs millions de personnes, ce n'est pas quelque chose qui existe au Japon de toute façon. Mais essentiellement, à l'heure actuelle, des catholiques participent, mais il y a aussi quelques personnes qui ne viennent a priori d'aucune religion. Nous avons quelques protestants, quelques anglicans. Mais la colonne vertébrale de la marche pour la vie sont des laïcs catholiques. Alors, quels seront, en fonction de l'actualité, les thèmes de cette marche pour la vie? Alors, cette année, comme je l'avais dit précédemment, donc c'est la dixième année de la marche pour la dixième édition de la marche pour la vie. Donc, ça sera, nous allons particulièrement fêter ces 10 ans d'existence. Par un certain nombre de conférences qui restent à définir avant de partir marcher. Voilà, pour l'instant, le thème de la marche. Alors, est-ce que cette situation est, je dirais, révélatrice de ce qui se passe en Extrême-Orient, ou est-ce que la situation du Japon est un cas particulier? Alors oui, c'est révélateur dans le sens de l'indifférence générale par rapport au problème de la vie. Puisque si, quand on pose par exemple un Japonais dans la rue, il sera tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas tuer un bébé, en pratique, ça ne change, l'avortement est complètement admis et tout le monde va le faire sans cas de conscience spécifique. Et je pense que ça, c'est général. À l'Extrême-Orient, qui vient du simple fait que la société n'est pas chrétienne et que finalement défendre la vie sans le christianisme, c'est en fait, même si normalement c'est du droit naturel de protéger la vie, en pratique en fait, ça ne suffit pas. Alors, on n'a pas abordé la question de la PMA et de la GPA. Quelle est la législation au Japon? Pour l'instant, c'est interdit. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, et il n'y a pas de projet en cours d'autorisation parce que, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, la population diminue, l'immigration est quasiment inexistante. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir, ces gens-là? C'est une très bonne question. c'est un vrai sujet politique extrêmement important pour les Japonais. Alors, l'immigration est en train d'augmenter, ils sont en train d'ouvrir progressivement les vannes de l'immigration. Peut-être que nous sommes il y a 20-30 ans en France de ce plan-là. Donc, Et alors, quelles sont les populations qui viennent? C'est des gens, ils ne laissent pas venir n'importe qui, je suppose. Et ça aussi, c'est en train de changer. Donc, disons que, bon, évidemment, il y a l'immigration de qualité, mais il y a surtout l'immigration de moindre qualité. Donc, quand c'est des Philippins ou des Vietnamiens, il y a beaucoup de catholiques, mais il y a aussi beaucoup d'Indonésiens. Et on commence tout doucement, même si c'est encore très discret, à avoir une immigration musulmane, par exemple. Ensuite, il y a les Indonésiens. Comment, voilà, il y a 400 000 Japonais en moins par an, oui. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir? Oui, ils essaient de régler ce problème de natalité, mais pour l'instant, leurs solutions sont purement économiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des primes, ils font des allocations familiales? C'est ça, des genres de primes à la naissance, d'allocations familiales, mais ils essaient de régler le problème par l'État et pas par le mariage. Et vous posez la question de la PMA et de la GPA. C'est-à-dire que dans les lois, dans le code civil, le mariage reste une institution monogamique,
telle qu'elle était dans le code Napoléon, disons, mais en pratique, c'est en train de s'effriter. Et depuis quelques années, on a une poussée très importante des revendications LGBT, tant en politique que dans l'Église catholique, ce qui est très étonnant, enfin, ce qui m'a étonné personnellement, qui a étonné beaucoup de personnes, puisqu'il y a 10 ans, on aurait dit que ça aurait été impossible. Merci beaucoup de ces explications. Et puis donc, nous vous souhaitons bon courage pour cette marche pour la vie qui aura donc lieu le 16 juillet prochain à Tokyo. Je ne sais pas si beaucoup de nos téléspectateurs pourront y participer. De toute façon, ce sera la fête du Notre-Dame du Mont-Carmel, donc ce sera une grande fête. Merci beaucoup et merci, bon retour monsieur. À Tokyo. Merci, monsieur Mojand. Merci beaucoup. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Vous êtes donc dominicaine enseignante de la congrégation du Saint-Nom de Jésus de Fanjeau. Vous êtes aussi, c'est notre sujet, la petite fille de Louis Salleron, à qui vous venez de consacrer une biographie. Louis Salleron, artisan du bien commun. Alors pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie de votre grand-père, pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors, il est donc né en 1905, mort en 1992. Finalement, ça correspond à la vie d'un siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il réfléchissait assez, il avait une vie de réflexion suffisamment nourrie pour se coller aux événements. Alors, au début, alors qu'il était jeune homme encore, il a été mêlé au débat autour de l'Action française et de sa condamnation. Il s'est intéressé par la suite au syndicalisme paysan et la corporation agricole, et c'est dans cette activité que l'a trouvé la guerre, qui d'ailleurs a démultiplié son activité, puisqu'il n'a pu, malgré son désir, être mobilisé. Est arrivé l'après-guerre, il a participé à tous les débats pour essayer de faire sortir la France, voire l'Europe, de l'ornière. C'est la période de son travail qui concerne la réforme de l'entreprise, notamment dans le cadre du CEPEC, avec le général Végan. C'est aussi la période brillante de son enseignement à l'Institut catholique de Paris, même s'il l'avait commencé avant la guerre. Très vite sont arrivées les questions de la décolonisation, donc il s'est intéressé à la politique du général de Gaulle, sur laquelle il a beaucoup écrit dans différents articles. Et puis, le dernier de ses grands combats, d'un point de vue chronologique, il a consacré ses dernières années à défendre l'Église, la vérité dans l'Église, par divers moyens, sa chronique de Carrefour, le laïc dans l'Église, l'œuvre d'itinéraire, les congrès de Lausanne, des conférences, des articles multiples encore, qui ont été d'ailleurs de l'ensemble de toute sa vie, articles, conférences, ouvrages, enseignements. Cela a vraiment fait partie de toute sa vie. Et il est décédé en 1992, donc après tous ces combats. Alors, pourquoi ce sous-titre « Artisan du bien commun » ? Alors, question effectivement importante. C'est vrai qu'il a mené, il a eu une vie dédiée au bien commun, dont la notion vraie a d'ailleurs été le défi, le grand défi du XXe siècle entre l'individualisme et le communisme. Je pense qu'on peut dire que Louis Salleron considérait le bien commun comme le grand œuvre de la société, un vaste édifice spirituel à bâtir. Et comme dans les anciens chantiers, il faut des artisans qui œuvrent de tout leur être, en un labeur à la fois humble, solide, riche de compétences, et cela en collaboration avec les autres artisans. Ce qui est intéressant dans le terme d'artisan, c'est que ça voit le bon sens, le réalisme, une vie intérieure solide, ce qui lui a évité de tomber ou bien dans les caricatures intellectuelles de la réflexion, ou bien dans les caricatures socialistes de la générosité. Ça permet un équilibre, je pense, à la fois personnel et de la société. Alors, à propos de la société, quel regard porte Louis Salleron sur la société moderne ? Alors évidemment, ça ne peut pas être un regard très optimiste, non pas non plus pessimiste d'ailleurs, simplement un constat réel. Il a relevé très vite le paradoxe d'une société qui veut exalter l'homme
et qui en même temps n'a pas de souci quand il faut donner la mort, qui nie dans les faits ce qui fait la grandeur de l'homme et qui développe au contraire ce qu'il y a de plus bas, voire de plus trouble. Il en a montré les conséquences. Par exemple, Louis Salomon développe que la société harmonieuse a finalement laissé la place à l'individualisme, au communisme, que la politique s'est subordonnée à l'argent, la réflexion s'est effacée devant l'idéologie. Il montre encore que la langue, le savoir-vivre français sont abandonnés au profit de jargons qui ne permettent plus ni de penser ni de converser. Je crois qu'il avait un très grand souci de la civilisation et qu'il s'inquiétait que la civilisation se laissait vaincre par le matérialisme des deux grands blocs de l'Est ou de l'Ouest. Et puis, dit-il, le principal problème consiste dans l'autorité, dans la hiérarchie, qui sont remplacées par une démocratisation à outrance, y compris au sein de l'Église, dont on veut même évacuer le divin. Mais je crois qu'on peut dire qu'envers et contre tout, Louis Salomon a voulu voir les chances possibles d'un renouveau spirituel. Alors justement, au-delà de ce constat, quelles sont selon lui les voies du salut ? Effectivement, il n'a jamais voulu rester à un constat et un diagnostic intellectuel et finalement stérile. Il ne s'agissait pas de désespérer, mais de remédier aux maux déjà installés, d'en empêcher de nouveau. Il y a vraiment tout au long de sa vie énormément d'applications à cela. Peut-être juste quelques exemples. En face de l'individualisme et du communisme dont nous avons parlé, je pense qu'il a voulu montrer toute l'importance de la propriété privée. Il a développé la corporation, d'abord la corporation agricole, hein, capable de souder des individus entre eux et donc de répondre à l'État. L'individu n'était plus seul en face de cette machine étatique. Et dans le même esprit, il a entrepris la réforme des entreprises. Autre exemple, hein, pour résister aux idéologies totalitaires, à la perte de la liberté, à la perte du sens des responsabilités, il a rappelé, notamment à la jeunesse, pendant ses années d'enseignement et par ses articles, la nécessité du bon sens d'abord, comme point de départ, la nécessité aussi de réfléchir sans abdiquer, que ce soit devant l'État ou devant une forte voix, quelle qu'elle soit. Rappel aussi de la nécessité du boriste, et là-dessus il s'appuyait sur Platon, hein, le boriste qui est la réponse à l'État-providence, donc il faut savoir se défaire. Et puis il a montré la nécessité d'une exigence personnelle, aussi bien pour le maintien de la civilisation, de la langue, dans l'éducation et de l'enseignement, l'importance d'opposer la vérité aux mensonges de quelque domaine qu'il soit, dans la formation, dans l'Église, dans la politique. Peut-être, finalement, est-ce la réponse à l'humanisme intégral de Maritain ? Il répond par un christianisme intégral qui est enraciné dans un terreau, le terreau à la fois d'une solide vie intérieure, d'un bon sens réaliste, peut avancer avec l'audace de la foi, s'exercer pleinement malgré les circonstances parfois difficiles, qu'elles soient politiques, économiques, sociales. Alors, quelle a été de son vivant son influence et quel vous semble être son héritage aujourd'hui ? C'est difficile de vous répondre. Là encore, je pense qu'il y a un double paradoxe. D'une part parce que Louis Salomon est cité aujourd'hui, par exemple, surtout par les spécialistes, alors que son influence, vous l'avez dit, a été de son vivant et encore aujourd'hui est très grande. Si on regarde uniquement le domaine religieux comme exemple, il est le premier à avoir écrit sur la Nouvelle Messe, sitôt après la promulgation du Novus Ordo, hein, en 1971, et dans un livre qui, le premier, c'est un livre de référence, a fait le tour de toutes les questions essentielles. Ses articles aussi, sa chronique de Carrefour, dont nous parlions tout à l'heure, dans Itinéraire, ont donné une impulsion extraordinaire à la sauvegarde de la théologie de l'Église, de ses sacrements, son enseignement catéchétique, finalement toute sa vérité. Et on pourrait en dire autant
dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'agriculture, de l'économie politique. C'est une influence qui est encore très grande, mais derrière laquelle il s'est effacé finalement. Il s'est effacé derrière son œuvre. C'est peut-être pour cela qu'il est peu cité, hormis par les spécialistes. Un deuxième aspect de ce paradoxe, ça correspond plutôt à l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui. Parce qu'il est mort donc, en 1992, et finalement, beaucoup de ses études datent. Or, elles sont encore d'une actualité totale et même très étonnante. Sans doute parce que, c'est ce que nous disions au début, sa vie antérieure est suffisamment profonde, une vie de réflexion assez solide, pour lui permettre à la fois de coller à l'événement et de le transcender. Alors, en un mot, quel héritage nous laisse-t-il ? C'est peut-être cette volonté de faire triompher la civilisation chrétienne, la civilisation française, grâce à une vie intérieure très libre, nourrie, toujours plus nourrie de réflexion et toujours dirigée vers le vrai, avec l'audace de la foi. Merci beaucoup, ma sœur. Je renvoie donc nos téléspectateurs à l'ouvrage que vous avez écrit, Louis Salleron, artisan du bien commun. Alors, c'est un travail sérieux, hein, ça fait 500 pages. Je crois qu'au-delà de la personnalité de Louis Salleron, c'est aussi l'occasion de se replonger dans une page d'histoire de 1920 jusqu'en 1992. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour, Marie-Lise Pélissier. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes porte-parole de l'association Vavipri, qui a pris une initiative récemment. Alors, commençons par le début. Vavipri, c'est une curieuse dénomination. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Vavipri a une multiple signification. Déjà, le va représente un peu le mouvement de la vie qui va du début jusqu'à son terme, de la rencontre des gamètes jusqu'au dernier soupir. C'est la même vie, c'est la même personne. Ensuite, Vavipri, c'est une interpellation à tout chrétien pour lui rappeler de défendre la vie. La défense de la vie est un devoir absolu, nous dit le pape François. Le pape Jean-Paul II disait que le XXIe siècle sera celui du combat pour la vie. En effet, tout chrétien doit défendre le plus fragile qui est aujourd'hui attaqué dans notre société. Le Christ disait « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Aussi, nous pouvons voir dans tous ces enfants à naître et dans toutes ces personnes vulnérables, en fin de vie, malades, le visage du Christ. Le professeur Jérôme Lejeune, qui a passé sa vie à défendre les personnes porteuses de trisomie 21, avait pris ces paroles du Christ comme devise. Et puis enfin, prie parce que, bien sûr, en tant que chrétien, nous devons nous engager dans notre société et employer tous les moyens humains possibles pour défendre la vie. Donc nous connaissons la Marche pour la vie et puis toutes les associations qui aident les femmes enceintes en détresse. Mais nous ne pouvons négliger le moyen de la prière que le Christ lui-même nous a demandé. Demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Et la Sainte Vierge elle-même, dans ses multiples apparitions, a insisté sur ce moyen qu'est la prière. À Pontmain, elle disait « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Alors nous, on prend au pied de la lettre ces paroles de la Sainte Vierge et on utilise le chapelet comme arme pour défendre la vie. Alors concrètement, en quoi consiste votre initiative ? Alors Vavipri, c'est une chaîne de prières. 144 jours de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, jusqu'à l'Assomption, le 15 août. Vavipri, c'est une réponse déjà, une réponse à des attaques toujours plus fréquentes et virulentes contre la vie humaine, contre la dignité humaine en France. Nous rappelons qu'en 2022, le délai légal de l'avortement a été rallongé de 12 à 14 semaines. Ensuite, actuellement, il y a un soi-disant débat sur la fin de vie avec le risque d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.
Et enfin, troisième attaque contre la vie, le projet de loi pour inscrire la liberté pour la femme d'avorter dans la Constitution. Donc face à ça, nous avons décidé de lancer cette grande chaîne de prières pour offrir le jour de la fête de l'Assomption à la Sainte Vierge ce grand bouquet avec 223 000 chapelets et 300 messes. Donc ces chapelets et ces messes seront dites pour, en réparation des 223 000 avortements pratiqué chaque année en France, et puis pour demander à la Sainte Vierge que l'avortement ne soit pas inscrit dans la Constitution, et aussi pour prier pour toutes les personnes en fin de vie, pour le respect de ces personnes-là, dans le contexte du débat sur l'euthanasie. – Alors, vous en êtes où de votre bouquet, là, au début du mois de mai ?– Alors, nous en sommes aujourd'hui à 50 000 chapelets récoltés. – Ah, il reste de la marge, là. – Ah oui, il en reste encore, et 290 messes. – Alors là, vous êtes près de… – On y est presque, mais on peut encore y aller. Et c'est déjà très beau, on a beaucoup de mots de soutien, on a beaucoup de témoignages, mais on aimerait que les laïcs s'engagent encore plus, parce que plusieurs d'entre eux prient pour la vie, mais ne l'inscrivent pas sur notre site. Alors c'est dans cela que ça consiste. Il faut que nous puissions comptabiliser les chapelets et les messes offertes. Donc nous leur demandons vraiment de l'inscrire. Et puis, ce qui est au niveau des relais, nous avons eu le relais de l'Homme Nouveau, d'Aletheia, et nous sommes actuellement en partenariat avec Hosanna et son application Rosario. Cette application permet à ceux qui ne peuvent pas dire un chapelet d'un coup, de dire à chaque fois des dizaines sous le nom de prier pour la défense de la vie. Puis au bout de 5 dizaines, ils ont offert un chapelet. C'est le principe du rosaire vivant de Pauline Jaricot. Alors, y a-t-il eu des contacts d'une part, des réactions d'autre part à cette initiative de la Conférence des évêques de France, de telle ou telle communauté religieuse ? Alors, au niveau de la Conférence des évêques de France, nous ne les avons pas sollicités directement. En revanche, nous avons des soutiens, notamment de Monseigneur Ray, et nous comptons les solliciter quand nous aurons atteint les 100 000 chapelets. Donc, nous sommes à mi-parcours. Et puis, pour ce qui est des communautés religieuses, oui, nous en avons contacté plusieurs et elles ont toutes répondu positivement. Elles nous ont assuré de leur prière. Donc, nous les remercions. Vraiment, Vavipri demande beaucoup de temps, de contact, de mise en relation. C'est pour ça que nous comptons vraiment sur chaque personne pour relayer. Mais nous voyons déjà un engouement et une communion de prière autour de la défense de la vie. Nous sommes sûrs que les futures mères en ressentent déjà les fruits. Alors, comment vous rejoindre pour s'associer à cette belle initiative ? Alors, pour nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit d'aller voir sur notre site vavipri.org où on peut noter chaque chapelet récité et chaque messe offerte. Donc, en fait, il suffit de dire un chapelet, d'inviter ses amis, ses proches, sa famille à réciter un chapelet. Et puis, à chaque chapelet, il faut mettre le nombre de personnes qui ont récité le chapelet. Comme ça, ça nous permet vraiment de comptabiliser chaque chapelet et chaque messe offerte. Merci beaucoup. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Rien de particulier, à part qu'il faut bien relayer et ne pas hésiter. Et aussi, Saint Pie X disait « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet, je ferai la conquête du monde. » Merci beaucoup de cette belle conclusion. Merci beaucoup. Donc, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est Guillaume de Thiolois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.